Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Les gars, j'ai un glitch solo pour vous, trouvé par Tuto Facile France. Gros GG à Tuto. Donc ce glitch, il est super facile à faire. Par contre, il va vous falloir un complexe, un camion mock, le braquage. Donc il vous faudra au moins avoir lancé la première mission du braquage pour avoir le message de Lester dans votre téléphone. Il va vous falloir une Elegy Custom Rétro ou une voiture de chez Beniz pour faire de l'argent. Ça sert à rien de dupliquer le reste, ça marchera, mais ça vous fera pas d'argent. Donc vous allez mettre une Elegy Custom Rétro dans votre complexe, comme moi là. Peu importe où elle sera. Votre complexe, il faudra qu'il soit plein. Donc il faudra que vous ayez le message quand on va rentrer après dans le complexe. Donc qu'il soit plein de ce que vous voulez, peu importe. Il va vous falloir acheter des RH8 et les mettre dans le garage où le braquage de Lester vous envoie. Donc ça veut dire faites un test en cas sur l'invitation de Lester. Vous allez dans ce garage et là vous mettez les RH8. Vous ne trompez pas de garage. Donc je répète, pour avoir Lester, il va vous falloir lancer au moins un braquage. Là vous voyez le camion mobile. Il va vous falloir un garage dedans. Donc là on est bon. On a le camion mobile, on a le complexe plein. On a les véhicules dans le garage du braquage. On a l'invitation au braquage. Donc si vous l'avez pas, vous attendez un peu dans la session et Lester va vous l'envoyer. Là maintenant, je vais préparer une activité rapide. Donc je fais PS, je vais dans profil, activité récente et je vais sur acheter un nouveau véhicule ou acheter une nouvelle arme. Je clique dessus. Je vais mettre le curseur sur lancer GTA Online. Et là, pour revenir dans le jeu, je fais deux fois PS. Ça veut dire que quand je ferai deux fois PS, je vais retomber sur ce menu. Et il va être important là. Ensuite, on va aller dans l'Avenger. Et voilà, le seul glitch qu'il y a dans ce glitch, il est super facile les gars. Ça va être ça. Donc pour Xbox, vous allez changer votre mode de visée. Vous allez mettre une visée différente de tous les autres joueurs. Donc vous, vous allez en libre. Et là, vous allez faire rejoindre un ami. Et après, vous allez accepter le message. Que nous, c'est l'inverse. D'abord, on accepte d'ouvrir la porte. Et après, on fait deux fois PS. On lance GTA Online et on refuse le message. Donc ça va très vite. Et j'espère que vous avez bien compris. Donc vous ouvrez la porte, vous validez le message, vous faites deux fois PS. Lancez GTA Online, vous refusez le message et vous allez atterrir comme moi ici. Et là maintenant je lance mon braquage. Donc je me téléporte dans mon braquage. Très important. Session sur invitation uniquement. Donc le glitch il marchera que sur session sur invitation. Moi perso, j'ai pas réussi à le faire en session normale. Ça me bug complet. Je suis sous la map et tout. Ça marchera pas. Donc là, on est arrivé au braquage. On va faire rond, on va quitter le braquage et on va se retrouver dans le garage du braquage. Donc ne sortez pas, ça marchera pas. Là, vous allez direct dans le braquage, dans le garage. C'est parti. Donc là, vous voyez le timing, il est déjà fait, hein. C'est le plus facile. Là, maintenant, vous avez juste à suivre les étapes et la duplication, elle sera à vous. Donc il est super facile. Franchement, tuto, il s'est gavé là sur ce coup. Allez, on va monter dans la RH8. On va attendre un petit peu qu'elle démarre. N'allez pas trop vite non plus. Donc le glitch, ça sera des plaques propres. Vous voyez? 558, c'est ce qu'il y a sur mon Elegy Custom Rétro que je vais dupliquer. Donc elle va récupérer les plaques des RH8. Vous sortez du garage, vous accélérez et vous allez atterrir, vous voyez? Vous atterrissez directement au complexe. Dès que vous êtes au complexe, vous rentrez ce véhicule pour trouver le message complexe plein. Et c'est là qu'on va switcher une custom rétro. Donc custom rétro qui vaut 980 000 dollars. Les prix sont remis à la hausse. Donc il n'y a plus de promotion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent 100 000. Ben là, vous ne les perdrez pas.
Au contraire, vous allez ramasser max d'argent. Pour ceux qui n'ont pas les complexes, tout ça, les gars, dans ma playlist de ma chaîne YouTube, vous avez plein de braquages en illimité à faire. Donc, regardez bien les vidéos et vous avez plusieurs solutions pour faire le braquage en illimité. Vous pouvez gagner 850 000 en 15 minutes. Voilà. Donc, vous mettez dans les messages votre nom de joueur et vous vous faites inviter. Donc là, vous voyez, j'ai switché une Eligi Custom Retro. Et ça m'a pas mis une RH8, ça m'a laissé une Eligi Custom Retro. Donc vous allez récupérer ce véhicule et sortir avec. Donc prenez bien le même véhicule que vous avez switché. Là, je vais vous montrer que dans le garage où on est sorti, maintenant, il y a l'Eligi qui est partie là-bas, dans le garage du braquage, au 20 Del Piero. Vous voyez, Eligi Custom. Et ça, c'est encore une Eligi Custom, mais elle est frisée. Donc maintenant, on va la sauvegarder. Donc si j'ai été trop vite, attendez, je vais vous en refaire une duplication. Donc là, vous voyez la plaque 011. Et là, on va récupérer la plaque de l'Eligi 558. Nickel. À la dernière manipulation, vous allez ouvrir votre pavé tactile, vous allez appeler votre centre d'opération mobile. Et on va mettre ce véhicule dans le centre d'opération mobile. Si vous n'avez qu'une Eligi dans votre complexe, il va falloir switcher un véhicule qu'il y a dans votre complexe. Comme ça, vous aurez toujours votre custom à l'intérieur. Donc on va se faire ça tranquillou. Les gars, rejoignez le crew ADH. On vous a mis une nouvelle couleur. On vous a mis la fumée. Crew patriotique. Donc la fumée patriotique, c'est bleu, blanc, rouge. Quand vous allez patiner, ça va faire bleu, blanc, rouge. Et on a fait une belle couleur noire qu'on pourra modifier après. On pourra la mettre en blanc ou on pourra la mettre sur d'autres couleurs et on aura toujours notre fumée patriotique. Impeccable, vous avez rentré votre voiture dans le camion. Maintenant, je vais appeler un véhicule qui est dans le complexe. Comme ça va me switcher et ça va me remettre mon Eligi Custom Retro dans le complexe. Et je vais pouvoir encore redupliquer un autre véhicule rapidement. Donc peu importe le véhicule que vous allez prendre dans le complexe, le principal c'est qu'il reste plein. Les gars, il est trop facile ce glitch. Je vais vous refaire une autre duplication. Ça va prendre 5 minutes. Donc c'est un glitch solo les potos. Il est rare celui-là. Gardez-le bien au chaud. Utilisez-le. En plein week-end là, il faut l'enchaîner. Hein. Donc je répète, ceux qui n'ont pas d'argent, allez voir dans ma playlist. Il y a des braquages illimités. Vous mettez votre nom de joueur. Et essayez de vous faire inviter si vous n'avez pas des amis qui font le braquage illimité. 850 000 en 15 minutes. C'est une tuerie. Allez, poteau, maintenant on va retourner au complexe. Donc maintenant on sait qu'on a encore les Eligi dans le complexe. Notre activité récente, elle est toujours prête. On n'a rien touché. Notre invitation à Lester, elle est revenue. On est tout bon. J'ai encore une RH8 dans le garage du braquage. Impeccable, vous voyez, vous êtes tout prêt pour recommencer encore une nouvelle duplication. Donc c'est parti, on va retourner dans l'Avenger. Donc je répète, pour Xbox, vous changez la visée. Vous mettez en visée différente, visée libre. Et vous savez bien que tous les joueurs, ils sont en visée assistée. Dès que vous êtes devant la porte de l'Avenger avec le message, vous allez rejoindre le joueur qui est en visée assistée. Vous allez accepter le premier message et refuser le deuxième de changer la visée. Et dès que vous revoyez l'écran de l'Avenger, vous allez valider pour ouvrir la porte. Et là, ça va vous bugger. Ensuite, vous faites comme nous, vous lancez votre braquage. Nous, sur PS4, ça va être plus simple. On a préparé une activité récente. On fait deux fois PS, on arrive sur l'activité récente. Donc nous, c'est inversé. On va être obligé d'ouvrir la porte. Et après de lancer l'activité récente.
On lance GTA Online et on refuse le message qui nous dit êtes-vous sûr de vouloir quitter la session? Allez, c'est parti, on va le faire pour PS4. Donc ça marche PS4, Xbox, pas de problème. Donc là, je suis bien sur le message. Mettez-vous bien. Voilà. Je valide. Je fais deux fois PS. Je lance GTA Online. Et je refuse le message. Je fais rond. Là, ça va me bugger. J'avance un petit peu. J'attends un peu que ça défrise. Je lance mon braquage de Lester. Le petit message dans le téléphone. Allez, c'est parti, on est arrivé à Del Piero, je fais rond, je refuse le braquage et je vais dans mon garage de l'appartement où j'ai préparé mon RH8. Donc remplissez au max de RH8. Vous allez dupliquer fort. C'est parti, vous voyez la duplication de tout à l'heure. Maintenant, je vais faire la deuxième. Bim, vous montez dans la RH8. Vous attendez un petit peu qu'elle démarre. Donc, je vais vous montrer la plaque. 0,44. Et on sort. Boum, on va spawn au complexe. Une fois qu'on est au complexe, vous attendez un petit peu, n'allez pas trop vite, que vous défrise. Et vous rentrez ce véhicule dans le complexe. Donc cette manipulation, c'est en solo et vous allez pouvoir la faire illimitée tant que vous aurez de la place. Pour avoir votre invitation au braquage, il va vous falloir au moins lancer une mission du braquage. Après Lester, il va vous harceler de messages. Il vous suffit d'attendre un petit peu dans la session et vous aurez le message de Lester. Rien de compliqué, les gars. Faut juste avoir quand même quelques millions pour acheter le complexe, l'Avenger, le camion et un appartement 10 places. Donc pour avoir le braquage dans votre appartement, il vous faudra un appart avec un garage 10 places. Donc là, vous voyez, je switch et je récupère la voiture que j'ai switchée. Récupérez pas une autre véhicule. Là, il vous faut récupérer le véhicule qui a été switché. Donc c'est une voiture duplication ici. L'original, elle est partie dans le garage du braquage. Et cette manipulation, vous la faites à l'infini, les poteaux. J'ai juste à la sortir. Il va y avoir un changement de plaque. Je vais la mettre dans mon camion. Et bingo, je recommence ma manipulation. Les gars, je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite. Bon glitch à tous. Encore tuto Facile France. Gros GG à toi. Ciao, ciao tout le monde.